Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 26 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de cette nouvelle lune ne sont pas trop fortes, en tout cas ne sont pas trop déstabilisantes pour vous, mais elles peuvent nous permettre effectivement de pouvoir faire un gros nettoyage émotionnel. On va plonger dans les énergies scorpions qui sont assez... Je dirais assez profonde. Donc pour certains, ça peut être vraiment, on va chercher dans des émotions très lourdes, très dures, très difficiles, parfois un peu moins, peut-être un peu plus légères, peut-être un peu plus intenses aussi. Bref, on va peut-être avoir envie de vivre des choses beaucoup plus intenses aussi, hein, avec l'énergie scorpion, voilà, vivre un peu des choses plus passionnantes, plus... qui peut nous mettre un petit coup de peps, ça peut faire du bien aussi. Voilà, en tout cas, il peut y avoir du renouveau et c'est vrai que les énergies de la nouvelle lune nous invitent en tout cas à poser nos intentions, à vraiment se projeter dans peut-être dans un nouveau départ, un projet, une nouvelle ambiance en tout cas qui se propose à nous. Bon, en tout cas, j'espère que ça, voilà, que ça vous va. C'est pas trop difficile ni compliqué pour vous en ce moment. Donc, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on nous donne ici. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue aux personnes, aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Donc, bienvenue à vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 26 octobre 2022. Alors, les retards. Bon, bah alors, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bon, bah on sent que les énergies sont pas encore... on n'est pas dans le démarrage, hein, encore, hein. On est dans quelque chose qui a du mal à se mettre en place, hein. On sent que ça bloque un peu. Alors, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des choses qui, voilà, qu'on attendait, qui finalement sont repoussées, hein. Donc, il peut y avoir effectivement un peu de frustration, il peut y avoir effectivement un peu de déception dans l'air. Donc, avec les énergies scorpions, on pourrait vivre les choses un peu plus intensément. Donc, il va falloir faire attention à garder un peu la tête froide, à se dire que, bon, bah, s'il y a un retard, s'il y a un contretemps, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, hein, on va essayer de relativiser au maximum par rapport à... En tout cas, ce qui pourrait générer un peu de frustration ou de colère ou de déception, hein, sur le plan émotionnel. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des chakras. Donc, pour cette journée du mercredi. Mercredi 26 octobre. Ah, très bien. Lucidité. Donc, bah oui, bah peut-être que ce retard, effectivement, il nous est imposé. Moi, je ressens vraiment le côté un peu bloquant de la situation, hein, comme s'il y avait une situation qui était bloquée là tout de suite. Ça va pas dans le sens qu'on aimerait que ça aille, et du coup, c'est gênant. Mais là, on nous invite justement à y voir plus clair. On nous parle de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Il y a quelque chose qu'on a besoin de revoir ou de regarder avec un œil nouveau, hein. Peut-être avec une vision différente. Il y a quelque chose à voir ou à percevoir ici. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui sont retardées, bloquées, pour qu'on prenne le temps de regarder ce qu'il se passe. Alors c'est peut-être aussi parfois, hein, surtout dans les énergies scorpions, je vous parlais d'émotionnel, des situations un peu... voilà, qui génèrent des émotions un peu lourdes, intenses. Justement, elles sont là aussi pour nous expliquer, pour nous montrer quelque chose. Donc il serait peut-être temps de regarder ce qui se passe en nous. Hein, par rapport à toutes ces situations bloquées. Hein, voilà, ça nous donne des indications sur ce, peut-être sur ce qu'on doit changer, ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on doit lâcher. Voyez, il y a pas mal d'indications comme ça. Donc là, c'est vraiment un moment, en tout cas pour cette journée, où effectivement, il va falloir essayer d'y voir un peu plus clair, il va falloir essayer de trouver un peu plus de clarté. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de la vision, hein, qui parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté, hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, on n'avait pas encore les idées très claires vis-à-vis d'un projet, ou peut-être qu'on n'avait pas toutes les informations, voilà, tout ce qu'il y a autour, hein. Là, ce sera une journée justement où on va prendre le temps d'y voir plus clair, d'éclaircir tout ça. Alors peut-être que pour certains, on va chercher à se renseigner, on va chercher à justement à trouver d'autres possibilités, d'autres choses. En tout cas, il est question ici d'y voir plus clair.
Voilà, on va peut-être poser des questions aussi, hein, voilà, ou se poser des questions envers nous-mêmes, hein, si c'est un questionnement intérieur, ben là, on a besoin d'éclaircir les choses. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mercredi 26 octobre. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la joie, la gaieté, l'énergie, en tout cas, qui nous motive et qui nous pousse finalement à voir les choses d'une façon positive. Voilà, moi, ce que je retiens de cette carte-là, c'est vraiment la vision positive de la situation et surtout de faire ce qui nous... Ben, de se diriger vers ce qui nous met en joie. Hein. Il ne faut pas perdre de vue finalement je dirais cet objectif-là, parce que l'objectif, c'est finalement bah, d'obtenir satisfaction, peut-être pas par rapport à un sentiment de réussite qui nous apporte de la joie, du bonheur, ou alors c'est peut-être un projet effectivement qui nous met en joie, quelque chose en tout cas qui fait que on attend ça avec impatience un petit peu, vous voyez? Donc là, ça peut être un peu retardé, donc voilà, c'est pour ça que cette joie, ce bonheur, ce truc-là qu'on aurait aimé obtenir, voilà, je sais pas, une réussite, un accomplissement, quelque chose qui pourrait nous mettre en joie, bon, bah là, c'est pas encore le bon moment, c'est encore retardé, donc... on a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez fourni des efforts ou je sais pas, et là, encore une fois, il y a quelque chose qui vous montre que, bah non. Voilà, non. Là, il va falloir attendre encore un petit peu, ou il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on n'arrive pas à percevoir qui pourrait effectivement nous ramener plus de joie et de gaieté. Eh bien, c'est confirmé avec la vision positive, on nous invite à voir les choses du bon côté. Voilà, tout simplement. Ça ne va pas forcément être évident, évidemment. Hein, frustration, colère... émotion un petit peu intense, alors qu'on nous invite à regarder les choses du bon côté, ça peut être quand même assez difficile, mais pourtant, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. À partir du moment où on voit les choses d'une vision positive, où on se reconnecte à notre joie, à notre gaieté, bien, les choses vont nous paraître différentes. On aura un autre regard. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle des métamorphes, pour ce mercredi 26... On a une très jolie carte, la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Cette carte-là, elle nous parle de notre propre pouvoir personnel, c'est-à-dire le pouvoir que l'on a à voir les choses du bon côté, à nous reconnecter à la joie de vivre, à faire finalement que les journées qui nous paraissent un peu longues, fatigantes, difficiles pour certains d'entre nous, ou alors un peu ennuyantes, ennuyeuses, je ne sais pas, là, il y a vraiment l'idée de dire, bah oui, mais si on a envie d'autre chose, de transformer les choses, on a ce pouvoir-là en nous. Voilà, mais pour ça, il faut aller dans la vision, dans le côté, on va dire, positif de chaque situation, d'essayer de tirer toujours du positif, malgré les contretemps. On s'imaginait peut-être obtenir quelque chose, bon bah c'est pas encore le cas, c'est pas encore le moment. On essaie de comprendre pourquoi d'ailleurs, hein, je pense qu'on va, on va pas mal se renseigner, ça c'est sûr, mais ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment de tirer vraiment de voir les choses du côté positif par rapport à ce qui se passe. Parce que ça pourrait nous apprendre beaucoup, hein, vraiment. La princesse serpent, c'est aussi... Le serpent nous parle de mu, nous parle de connaissance et de guérison. Donc là, on a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître, on a besoin de chercher à comprendre, à voir les choses d'une façon différente pour accepter aussi, hein, que parfois la vie, eh ben voilà, on n'a pas tout ce que l'on... n'aurait voulu parce qu'on s'était imaginé des choses et que finalement, on peut avoir autant, finalement autant... mais d'une manière différente, je ne sais pas si vous me suivez, bon bref. On a le chat noir ici, le moment de s'amender, expiation et équilibre. Oui, là on est dans les énergies du scorpion. Et oui, le chat noir ici, c'est... alors, le chat noir en général, c'est... Vous savez, quand on dit, oh là là, mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance, ça s'accumule, en ce moment ça va pas, je suis un vrai chat noir. voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et bien, cette carte-là, elle nous dit qu'effectivement, on a quelque chose à comprendre de la situation. Hein, voilà. Donc, si c'est encore un projet, ne fonctionne toujours pas, si c'est encore bloqué, si c'est retardé, s'il y a des déceptions, s'il y a des choses qui arrivent encore et encore, là, il y a un besoin de comprendre le pourquoi du comment. D'essayer de voir les choses d'une façon positive et de se dire, bon bah ok, c'est peut-être que la voie est fermée, peut-être que ce n'est pas dans la direction dans laquelle je dois aller, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Il y a l'idée ici de voir plus clair, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Hein. On est dans la mue du serpent, il y a quelque chose qui doit changer, mais par la connaissance, par la prise de conscience. Oui.
Ok, donc un équilibre qui peut être retrouvé par rapport à quelque chose qui était un peu qui déstabilise pas mal. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 26 octobre, ok. On a la sensibilité, les émotions donc. Voilà, donc il va falloir garder un petit peu la tête froide. Il va falloir aussi ne pas être trop susceptible. Voilà, je sens un peu de nervosité, un peu de susceptibilité par rapport à certaines choses. Attention à nos prises d'initiative, parce que si on prend effectivement des initiatives sur le coup de l'émotion, de notre sensibilité, sur le coup de... voilà, si on est en colère, si on est frustré, si on est déçu, si on, je sais pas moi, par rapport à une situation qui est bloquée, voilà, attention à ne pas dépasser certaines limites, ou en tout cas ne pas avoir des comportements un petit peu irrationnels, j'ai envie de dire, enfin, des choses qui ne nous correspondent pas vraiment finalement. Voilà. Il y a un besoin de comprendre quelque chose d'essentiel. Hein, voilà. Alors, les initiatives, la sensibilité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot de la magie verte, énergie d'action et activité pour ce mercredi 26. Oula, on en a deux. Très bien. Bon, on est dans les deniers. Hein. On est dans les deniers, donc pour certains, ça peut concerner effectivement un projet concret, peut-être sur le plan pro, mais ça peut être aussi sur le plan matériel et financier. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, on sent que ça perturbe. Peut-être effectivement une situation compliquée sur le plan matériel financier. Il y a des retards, des contretemps. Vous attendez qu'on vous règle, qu'on vous paye, que je sais pas, qu'il y a quelque chose qui se règle. Ça prend du temps, c'est repoussé, c'est retardé, c'est pénible. Ça touche notre sensibilité émotionnelle, on est en plein dedans. Donc forcément, ça nous demande encore plus d'efforts, encore plus de travail et encore plus de concentration. À la 8 de Pentacle, elle nous parle de ça ici. Hein, ce qui n'est pas forcément toujours facile, surtout quand on est fatigué. Donc faites attention aussi à votre état de fatigue. Mais ici, on nous dit que si on fait les choses avec plus de légèreté, avec une vibration positive, avec un état d'esprit peut-être un peu moins lourd, moins justement moins négatif, hein, le but c'est ça, eh bien les choses vont pouvoir s'éclaircir d'une façon beaucoup plus juste. J'ai l'impression qu'on pourrait retrouver un niveau d'équilibre à partir du moment où on essaie de relativiser un petit peu et qu'on lâche un peu la pression de ce qui se passe. Voyez? On retrouve un peu plus de stabilité. La 4 de bâton nous parle de ça ici. Hein. La 4 de bâton, c'est l'énergie de l'engagement, c'est l'énergie aussi de la première récolte de quelque chose qui se stabilise, qui peut se concrétiser. Pour certains, ça peut être un contrat, ça peut être... voilà. Mais c'est pas encore tout à fait réglé, c'est pas encore tout à fait sûr, voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, comme si c'était pas encore tout à fait ancré vraiment dans la matière. Hein. C'est, on est plus dans le moment présent, dans le partage, peut-être dans des choses qui sont exprimées mais qui ne sont pas forcément actées dans la matière. Il y a un besoin, voilà, ici de retrouver un peu plus de stabilité. Alors pour certains, ça peut concerner aussi le foyer, je sais pas. J'ai l'impression que c'est en lien avec le foyer, des travaux que vous faites chez vous par exemple, un déménagement, je sais pas, un nouvel endroit pour vivre. Et là, on sent qu'il y a un déséquilibre parce que financièrement c'est compliqué, parce que bah, il y a peut-être des contretemps aussi au niveau du timing. Il y a quelque chose qui est repoussé, retardé. Si vous faites des travaux chez vous, et ben voilà, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Hein, on sent que ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce roi d'épée qui vient ici nous apporter justement lucidité, clarté d'esprit, et puis surtout qui va nous permettre de pouvoir prendre une décision, nous positionner ou d'exprimer quelque chose. Voilà. Hein. Il y a un besoin de faire preuve un peu plus d'autorité ici, j'ai l'impression, hein, de retrouver un peu cette notion de pouvoir, de contrôle et de se dire, ok, là je décide. Hein, je décide peut-être de prendre l'initiative de régler une situation qui a besoin d'être réglée parce qu'il y a trop de déséquilibre, il y a trop d'instabilité ici. Peut-être réclamer de l'argent, faire des démarches, je sais pas moi, taper un petit coup de poing sur la table pour dire, hé, là il va falloir que ça avance parce que là, moi j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi, maintenant il va falloir que ça. Il faut que ça paye en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous faites, mais ouais, là c'est un. Il va falloir faire preuve de patience et de calme. Et là, ce qu'on nous dit surtout, encore une fois, on a la 3 de coupe et on a la joie ici. Hein. C'est la même énergie à peu près. Hein. On nous invite vraiment à relativiser et puis surtout à prendre les choses du bon côté et à profiter du moment de calme. Hein. Peut-être que si voilà, il y a quelque chose qui est retardé, repoussé, des rendez-vous, des choses comme ça, ben, profitez-en pour passer des bons moments entre amis ou des bons moments voilà, de partage avec certaines personnes pour, voilà, pour relâcher un peu la pression du moment. Parce qu'on sent que sur le plan matériel, professionnel ou voilà, par rapport à des projets, ça peut être compliqué à gérer, en tout cas actuellement.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mercredi, l'énergie. Oui, bah oui, bah tout dépend de l'énergie laquelle dont on va, voilà, dont on va se nourrir. Si on a des énergies de joie, d'avoir envie de rire, d'avoir envie de partager, d'avoir envie de passer des moments de gaieté, hein, voilà. Tout dépend comment on va l'utiliser, cette énergie-là. Hein. Si on est, si on reste bloqué effectivement sur ce qui ne va pas, et bien forcément, cette énergie va être nourrie aussi. Voilà. Donc on sent bien que oui, il y a quelque chose en lien avec le passé ici. Hein. Donc par rapport à nos relations, notre émotionnel, il y a quelque chose en lien avec le passé qui est toujours présent finalement au niveau des énergies. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce mercredi 26. L'empereur, le dieu cornu ici. Très bien. Hein. Bon, bah là, oui, effectivement. Là, on pourrait vraiment retrouver cette autorité que l'on a. Alors, attention à ne pas être un peu trop autoritaire, justement. À ne pas être un petit peu trop dur aussi. Parce qu'on sait que le roi d'épée et l'empereur, ce sont des énergies vraiment de où, voilà, où on prend nos responsabilités. Mais on peut se montrer parfois très, très coupé de nos émotions. Très froid, très, très rigide. Donc, attention quand même à ça. Hein, voilà, il n'est pas question ici de se couper totalement de ses émotions. Parce que, bon, dans nos relations... ça pourrait, enfin voilà, ça peut créer des distances, en tout cas ça pourrait créer des choses, oui, ok. Bon, alors, là, on sent bien que ces énergies-là sont quand même assez nécessaires. Hein. Pour certains d'entre nous, c'est quand même nécessaire de retrouver notre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision, notre pouvoir de jugement, je ne sais pas pourquoi j'entends jugement, par rapport à ce roi d'épée, comme s'il fallait acter quelque chose. Et ce qu'il faut acter, c'est surtout le changement. Il y a quelque chose qu'on doit changer, il y a des décisions qu'on doit prendre pour qu'on puisse changer les choses d'un point de vue émotionnel ou relationnel. Il y a quelque chose à changer, en tout cas on le souhaite, on le veut. Et là, on est en capacité d'avoir suffisamment de courage, de volonté, ou en tout cas de posture, on a une posture là, où on va décider quelque chose pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on a quand même le pape, hein. L'énergie du pape, c'est quand même... c'est la connaissance, le pape. C'est la sagesse, c'est le savoir aussi. Alors, le pape, ça peut être quelqu'un qui peut nous conseiller, mais moi, je sens plutôt que c'est nous. Hein. Là, on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de prendre un moment, en tout cas durant cette journée, pour comprendre quelque chose d'essentiel, pour retrouver notre propre pouvoir personnel et surtout pour acter des changements. La roue de fortune, c'est le changement que l'on veut acter, évidemment des changements positifs. Hein. Le but, c'est vraiment d'évoluer ou en tout cas de faire les choses qu'il faut. Et là, on voit bien qu'on a le diable juste derrière. Donc, c'est vraiment des... pour moi, c'est un travail sur des énergies négatives dans le sens où on a identifié ce qui n'allait pas dans nos relations, des schémas, des comportements de dépendance, de codépendance par exemple, ou de choses qui ne vont pas, et on a besoin de remettre un peu de sagesse, hein, de connaissance dans tout ça pour changer les choses, mais du bon côté. Hein. Donc on reprend le contrôle d'une situation sur le plan relationnel, on a identifié ce dont on n'avait plus besoin, donc ça peut correspondre à nos propres schémas et nos propres comportements, où on décide de travailler sur soi, on décide vraiment de comprendre que parfois on a des comportements qui font que ça bloque les énergies, ou ça peut être conflictuel par exemple, ça peut être difficile, et on décide finalement on comprend que finalement que si on veut que les choses changent, il faut d'abord changer soi-même en fait, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc là on a ce pouvoir de décision et on va pouvoir en faire, l'utiliser en tout cas pour cette journée, pour que les choses changent. Voilà, si on a envie que ça change, il va falloir que faire ce qu'il faut en tout cas. Et là, on pourrait évidemment avoir cette prise de conscience, les choses vont nous paraître beaucoup plus claires, et puis surtout cette vision positive de la situation pour enclencher vraiment un mieux-être, quoi. C'est pour le mieux-être, de toute façon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 26 octobre? Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction.
Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc oui, là, il va être temps, effectivement, d'exprimer ce dont on a envie, les changements qu'on a envie d'acter. Donc là, ce sera une bonne journée, en tout cas, pour pouvoir envoyer ses intentions, pour pouvoir faire déjà le premier pas, hein, mais c'est surtout dans l'énergie d'être décidé. C'est un sentiment comme ça, d'être décidé, d'être d'accord avec soi-même, en fait, pour pouvoir se dire, ok, bon bah là, je suis prêt, je suis prête, on y va. Voilà, voilà. Donc déjà, dans l'énergie, il y a le pouvoir de décision qui est là. Donc on se dirige vers quelque chose, en tout cas, qui nous inspire et qui nous donne envie, avec joie et légèreté. Donc là, on pourrait prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses qui sont bloquées, mais que c'est pas pour rien. Hein, c'est que c'est justement pour nous permettre d'y voir un peu plus clair, pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.